Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, vidéo dégustation, donc c'est de la bouffe, du miam miam, et je suis accompagnée de de Francky. On est allé aujourd'hui, c'est dans le Marais, on est allé dans la nouvelle boutique de Christophe Michalak. Donc je pense que si vous tapez son nom sur Google, vous allez le reconnaître. Et du coup, on s'est pris des petits bocaux verrines. Il y avait aussi des cakes, du chocolat, tout ça. Mais c'était ça qu'on voulait tester. Et on voulait les déguster avec vous, devant vous, et donner notre avis. Donc Franck, on a choisi deux parfums. Et moi, j'ai choisi deux parfums. Donc on a pris quatre, parce qu'on ne pouvait pas juste en prendre que deux. C'était pas assez. Et donc voilà, on va vous... T'en auras pas. Oh. Tu dis ça à Benji. Benji, t'as qui regarde. J'avoue, t'en auras pas. Et ça va être très bon. Alors un petit truc comme ça, c'est une verrine ou un bocal. Ouais, c'est 7 balles. Ça coûte 7€ et puis... non, c'est en plastoc, c'est en verre. Ouais. Et vous pouvez le garder après. Mettre le sucre, le café, ce que tu veux. Et puis vous avez une petite cuillère. Donc du coup, toi tu vas prendre une cuillère de là, puisqu'on va prendre chacun sa cuillère. Hop. Et donc, bah, j'ai pris au pif, hein, on prend comme ça, dans cet ordre-là. On fait un toi, un moi. Ça, je sais pas, ça c'est toi qui l'as choisi. Après, il y a le mien. Alors, celui-là, c'était poire, pomme, yuzu. Poire, pomme, yuzu, c'est quoi yuzu? Yuzu, je crois, c'est. Je suis pas sûr, je crois, c'est pas des citrons. Je sais pas. Japonais. Ah, si, on a fait takoyaki au yuzu. Ouais, c'est ça, je crois. C'est du citron japonais, je crois. On va sentir aussi. Hein. On dirait une tarte au citron quand je sens. Ouais, je sais pas, ça sent le crumble en fait. Ouais, mais on dirait une tarte au citron en fait. Ça sent le citron. Mais c'est, en fait, c'est pas rempli, mais là, là, quand je vois là, c'est quand même beaucoup quand même. Ouais, c'est consistant. C'est consistant. Hein. De toute façon, je vous ferai un petit close-up et puis vous verrez mieux tout ça, mais ça a l'air bien bon. Donc comme c'est le tien, je te laisse goûter en premier. Ah bon? Donc vous voyez pas Franck parce que... Non. Il ne veut pas passer. Non, je ne veux pas. Alors, je prends tout en même temps, la crème, ouais, vas-y, monte. Le fruit et le crumble. Miam miam. Vas-y, tu peux goûter. C'est lourd ou ça va? Ça va. C'est marrant parce qu'il y a plein de textures différentes. Il fait le mec. Ouais, mais comme il est à la télé, là. Ouais, c'est vrai, tu vas voir, t'as tout pris en même temps. Ouais, t'es surpris. C'est bon. Hein. Ouais, mais c'est parce que... Pour moi, une tarte au citron, on dirait. Ouais, façon. Mmh. Non, mais c'est bon, mais... Mais voilà. Ouais. Ouais, mais donne. Très bon. Il a tout mangé, la moitié. Non, tu mens, t'as mangé la moitié avec moi. Non. Ouais, quand tu fais trop style, toi. J'ai mangé un tout petit peu. Attends, attends, non. Si j'aurais tout mangé, t'aurais hurlé. Pas style. Ouais, c'est bon. Mais après, voilà, c'est pas un truc exceptionnel non plus. Hein. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est bon, parce que j'ai faim. Ensuite. Ça, c'était... Ça, c'est... ça a l'air... Alors, ça, c'est moi qui l'ai choisi. Non, mais... Ça, c'est pas bon. À la base, ils voulaient pas le prendre, ça. Ça, c'est moins beau. Déjà, c'est trop mignon, c'est beau, c'est rose et c'est trop cool. C'est quoi, c'est cassis? C'est framboise... Non, c'est figue, ouais. Figue, framboise, cassis. Et ça... Ça a l'air trop bien. Bah, cassis, c'est figue. Figue, j'adore. Framboise, je kiffe pas trop. Je mange beaucoup de confiture de figue. Mais ça a l'air de la confiture en bas, là. On dirait de la confiture, un biscuit, de la crème et de la chantilly, non? Tu vas goûter? C'est parti. Donc ça, c'est moi qui ai choisi. Alors? Si, tu sens les fruits rouges, en fait. Ouais, mais ça sent pas très bon. Ça sent le plastique du bocal. Non, mais ça veut rien dire, mais... Waouh, c'est trop beau. On y va? J'ai peur de casser. Ah oui, et... on pouvait le garder que 24 heures, pas plus. Vas-y, goûte aussi. Le biscuit est dur ou... On sent la figue. Non, c'est bon. Tout est mou. Mmh. On sent la figue, hein. Mmh.
C'est sympathique, mais je préfère l'autre. Préfère l'autre, toi? Mmh. Mais si, on sent cassis aussi. Framboise. On sent tout. C'est bon, mais c'est après, moi, je suis pas trop frais rouge. Là, c'est vrai. Mmh. Là, c'est acide. Non, mais là, c'est pas très acide, justement. Mais... Même. Il y a un petit peu. Bah, c'est des fruits rouges. Donc, un petit peu, oui. Tous les fruits rouges ne sont pas acides. Mmh. Il y a des morceaux de figue. Mmh. Ouais, ça, c'est de la figue. Tu sais que j'aime la figue. J'adore les figues. Ensuite, c'est Franck qui va présenter. Ça, c'est la vie. Donc, c'est Franck qui a choisi. C'est quoi? Noisette, praliné, chocolat. Voilà. Je crois que c'est une mousse au chocolat, tu crois? Peut-être. Ça a l'air léger, ouais. Par contre, il y a des morceaux de crumble, des noisettes. Il y a des petits... Ça sent bon, ça sent chocolat. Boum. Chocolat. C'est une mousse. Une mousse au chocolat. Je suis pas fan du chocolat. Mais tout ce qui est praline et tout, j'adore. C'est très chocolaté. Donc moi, j'aime bien. C'est très croustillant. Ça, il prend des... Regarde les cuillères de ouf qu'il prend là. C'est trop. C'est moche, on dirait du caca. Ah, quand même. Bah non, c'est de la mousse au chocolat. Mm. C'est très très chocolat. Mm. Parfait pour j'aime moi. J'aime bien les petites boules aussi. C'est ouais, c'est très chocolat. Ouh là là, je suis pas chocolat. Les petites boules, c'est du chocolat noir, donc ça va faire un peu d'amertume. On est jamais là. Ça fait pas bien avec une noisette. Avec le croquant, c'est lourd. Mais stop, ça attends. C'est la mienne. Non, minute. J'ai pas goûté bien. T'as juste le droit de goûter. T'as pas le droit de manger. C'est vrai. Tes mains, choisis tout. Casse-toi, arrête de choisir. Il y a une crème que j'ai pas vue là, regarde là. Ça, c'est quoi? Ah, c'est crème de praline. Non, elle touche même pas. Donne. T'as goûté ou pas? Non. Parce que t'as pris comme une brute là. Mais non, parce que c'était qu'au milieu en fait. Crème de praline. Bon, allez, je prends un dernier comme ça. Mais non, c'est surtout le dessus. Voilà. La praline, c'est bon, hein. Ah, c'est bon. C'est bien parce qu'ils ont mis beaucoup de noisettes. Ouais. C'est pas radin, quoi. Bon, c'est cool. Dernier. Casse-toi. Et ensuite pour le dernier, c'est moi qui l'ai choisi, donc c'est fruit de passion. Fruit de la passion. Banane. Banane et mangue. Voilà. Et c'est du même genre que celui-là que j'ai choisi à la figue, framboise et cassis. Mais celui-là, je l'aurais pris aussi. Tu l'aurais pris aussi, ouais, c'est vrai. Il sent un peu. Ça sent le plastique. Ça sent que ça sent le biscuit, là, le crumble, là. Tu vois? Oh. Ça sent bon. Ouais. Donc là on voit bien fruit de la passion et c'est moi j'adore. Ouais. Fruit de la passion, j'adore. Bien. J'adore. Ils ont dû faire un truc passion chocolat, putain. Passion chocolat, ouais, j'avoue. Passion. Comme faites les... passion chocolat. Comme les macarons de chez Pierre Hermé. Pierre Hermé. C'est les meilleurs. Oh, il y a des morceaux de attends. Ça c'est cool ça. Ça c'est pas du caca, hein. Je mange en même temps que toi. On y va. 1, 2, 3. Lourd. Lourd. Ouais, il est mortel. Mais bon. Je cherche la banane. C'est les graines de... Des graines de passion qui craquent, qui croquent. J'ai pas eu. Ouais. Tu vois. J'adore. Moi j'adore. Mais elle est où la banane? Tout est mélangé, hein. Mais j'avoue qu'on la sent pas trop. Même la mangue. Si la mangue on la sent. On la sent? Bah oui. Putain, tout ce que t'as mangé. Quoi?
plus que la moitié. Tu rigoles? C'est toi, un petit cuillère de gros, là. Faut déguster. Ça se déguste. Toi, tu... Je fais comme ça. Ça croque. J'adore les graines. Mais il y a un moment, j'en achetais tout le temps. Bon, la prochaine fois, on y va. On teste les religieuses. Caramel beurre salé. Une. Oui. Et les cakes. Et les cakes. Parce que les cakes, ils sont comme ça. Ouais, mais c'est le cake. C'est le gros cake. Il y a des gâteaux aussi. 45 euros le gâteau. Mais des petits gâteaux tout fins et tout. Ça, c'est quand. Je sais pas. Je peux pas manger ça tout seul à deux. Non, mais mec, tu peux manger à deux, ils sont petits. Hein. Il y en a des tout fins, tu sais, en serpent. Là. Ouais, c'est le Paris-Brest. Ouais. Alors, maintenant, on va dire ce qu'on a préféré. Lâche ton téléphone. Moi, ce que j'ai préféré. Ouais. Les deux que t'as préféré, et après, on fera le choix final. Bah, dis-le, c'est quoi? Alors, c'est mangue passion banane et chocolat noisette. Ok. Bah, moi aussi, c'est les deux que j'ai préféré. Et entre les deux, je vais choisir qu'un. Peut-être c'est pas possible. Celui-là. Peut-être celui-là? Ouais, parce qu'il est plus léger. Voilà. Bah, moi aussi. Celui-là, il peut être récurrent au bout d'un moment. C'est, ouais, c'est, mais il c'est est lourd. Bon, hein. Et puis, oui. La couche de praline au-dessus, c'est trop bon. Voilà. Les deux vainqueurs, donc choco, praliné, noisette et mangue, passion banane. C'est les deux meilleurs. Et celui-là que... Ces deux-là, lequel que t'as moins aimé? Bah, fruit rouge. Oui. Et bah, moi, je préfère le fruit rouge au celui-là. Mais il est bon aussi. En fait, ils sont tous bons. Mais je dirais, en dernière position, je mettrais celui-là. Moi, je mets l'autre. Toi, tu mets fruit rouge en dernière position. Ouais. Bah, voilà, c'est fini. Maintenant, laissez-nous tranquille, on va tout manger. Non, ah, tu prends les tiens? Non, mais ça sert à moi, ça t'a rêvé. Non, mais t'es ouf, on partage, casse-toi. Ah, mais je croyais que le chocolat c'était que pour toi. Hein? En plus, on a mangé beaucoup, t'as vu toutes les cuillères que t'as tapé là? T'es une crevard. C'est toi le crevard, regarde, tu m'as mangé. Tant pis, j'en ai acheté deux. Tu rigoles? Mais attends-moi pour manger, je suis née. Non, c'est bon. Donc voilà, c'était la dégustation des petits bocaux de chez Christophe Michalak dans sa boutique. Il en a deux. Il a deux boutiques. Je sais pas où la première, mais là celle-ci elle vient juste d'ouvrir dans le Marais. Ouais, c'est à côté de 16 rue de Verrières, je crois. Ouais, c'est à côté de quoi? Rue des Rosiers. C'est dans le Marais, juste derrière BHV. Ouais, voilà. C'est juste là. L'adresse est 16 rue de la Verrerie. De toute façon, je vous mettrai toutes les informations dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, c'était une petite dégustation. C'est Franck qui a eu l'idée, mais quelle bonne idée! Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Nous, on va vous laisser et on va continuer à déguster tranquillement parce qu'il faut bien les finir. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos impressions sur ma vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires de ce que vous en avez pensé. Au moment où vous regardez la vidéo, je serai sûrement déjà rentrée à Paris parce que vous savez que je pars à Amsterdam. Donc soit je serai dans le car, soit je serai déjà rentrée. C'est quoi ça? Ouais, d'accord. Date tes meilleurs. Bye. Bonjour à tous. Alors... Bonjour à tous. T'es con. Yo, comment ça va? C'est ça que tu veux que je dis? Non, on dit bonjour à tous. Bonjour, alors... Miam, miam. Miam, miam. Un petit bocal comme ça coûte 7 bocal, euros. Un petit bocal. Un petit bocal.